Soyez les bienvenus sur le stand du Haradangville, mais surtout soyez les bienvenus aux côtés de Denis Anne qui va nous présenter ses étalons. Bonjour Denis. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette démarche du Salon du Trot en Normandie. En 2021, trois étalons vont faire la monte chez vous. Par qui commence-t-on? On commence par As Doré? Alors oui, si vous voulez, As Doré, bienvenue au Hara là depuis très peu de temps. As Doré, c'est un achat que je viens de faire avec un ami. D'accord. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est surtout son pédigré. Hein. Il a un pédigré maternel exceptionnel. Cocktail jet, dragée d'or par passionnant, et lorsqu'on ouvre en effet sa lignée maternelle sur sa fiche étalon, c'est superbe. Ah oui, non, il n'y a pas de trou côté maternel. Enfin, bon, Cocktail Jet, on ne présente plus, mais côté maternel, la mère était gagnante de groupe. Elle a fait 10 produits. Il y en a 9 qui ont couru et qui ont pu tous plus de 100 000 euros. La deuxième mère, c'est Nera. Elle a engendré Guderipré et on l'a vu dimanche dans le Prix d'Amérique. Bon troisième. Et je pense que c'est un futur prétendant à la victoire pour l'année prochaine. Et la troisième mère, c'est comment Erat Beloué. Matrone de chez les matrones. Ouais, voilà. C'est la souche maternelle est exceptionnelle. Donc, ça faisait longtemps qu'on comptait à l'affût pour ce cheval avec un ami, Laurent Gabriel, qui a l'élevage des Caponnets, là, qui est en verre en ce moment. Et puis voilà, le cheval était parti à l'étranger, mais on a réussi avec la propriétaire, l'ancienne propriétaire, à le faire venir dans la Manche. Et je pense que c'est bien parti pour une bonne saison. Et je voudrais signaler également qu'on vend quelque part. Très peu, mais on vend quelque part. C'est-à-dire, c'est des droits à saillie, c'est l'équivalent d'une part, hein, qui donne une saillie annuelle tous les ans. Très bien. Voilà. Le fils de Cocktail Jet, As Doré, et ses 13 victoires en compétition et son pédigré de rêve, quelles sont les conditions? 1 800 euros poulain vivant. Et bien sûr, pour les premières catégories, les très bonnes juments. Ou voir deux juments saillies, il y a des conditions, bien sûr. Hein. Hein, le but, c'est de le faire travailler, enfin, tous les étalons, mais je pense qu'avec un pédigré comme ça, dans la région, on en a très peu. Je pense que tous les éleveurs de la Manche et de partout vont se dépasser parce que pour le début de saison, là, enfin, ce qui n'est pas encore commencé, mais ça a déjà bien réservé, je Ça pense que. frémit, ça frémit. Il y a quelque chose Voilà, qui se passe. Parfait. il y a quelque chose qui se passe, mais le pédigré maternel y est beaucoup, pour beaucoup de choses. Forcément, c'est là que vous avez capitalisé. C'est votre vision, en effet, avec cette lignée maternelle représentée par As Doré qui fait donc la monte à Dangville cette année, aux conditions que vous venez de nous préciser. Il aura comme voisin, je ne sais pas si c'est un voisin de boxe, mais en tout cas un voisin O'Hara, Verilook, le confirmé Verilook, fils de Look de Star. Voilà, oui, Verilook, il vient de l'écurie des Charmes. C'est la deuxième année que je travaille avec l'écurie des Charmes, je les en remercie. Verilook, oui, le fils de Look de Star, lui, il a déjà saillie, c'est l'année DE avec Éveil du Châtelet qui a marché 11. Mais toutes les générations, on voit des chevaux qui courent. Il y a encore chez les F, la Fervente, là, qui vient d'être placée ou gagnée à Vincennes, qui a passé les. Plus de 100 000 euros de gains. Et puis, dans les i, il y a déjà 20 i qualifiés, ce qui est très, très bien. Ce qui est très, très bien à la saison. Et puis, des i qu'on commence à voir déjà courir à droite et à gauche et à Vincennes. Donc, c'est une production constante. Voilà, c'est une valeur sûre. Hein. Voilà, Quel je conseil pense vous que. donneriez aux éleveurs, avec quel genre de conseil de croisement vous donneriez pour Verilook? Voilà, Verilook, il fait des chevaux braves. Il fait des chevaux braves. C'est Look de Star. Look de Star est assez imposant, mais le Verilook, il est dans le sang et surtout très brave cheval. C'est un Très très bien. brave cheval. Et des petits échos que j'ai, fait des chevaux trotteurs. La preuve, on voit dans toutes les générations,
ça qualifie, mais ça va aux courses et ça prend de l'argent. C'est très important parce que qualifier, c'est une chose, c'est très dur, mais on les voit régulièrement en course. Voilà. Quelles sont les conditions pour Verilook? Veridouk est à 1 500 euros. Hein, 1 500 euros également, on fait des tarifs pour les bonnes juments ou les éleveurs qui veulent mettre deux, voire trois juments. Bien sûr, le but, c'est pareil, c'est de travailler. Mais lui, c'est pareil. La saison s'annonce pas trop mal. Très bien. Voilà. Troisième pensionnaire de la maison, un autre V, c'est Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte. Donc, c'est sa deuxième saison à la maison. Hein, il a très bien travaillé l'année dernière. Ben, c'est pareil, c'est un cheval qui fait des chevaux braves, faciles à débourrer, très faciles à débourrer, parce que je me renseigne auprès des entraîneurs. Hein. Et bon, il a un cheval, un fer de lance, c'est Fidèle Royal, hein, qui est très estimé chez Jean-Michel Bazire. Il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver, mais c'est pour un autre programme au printemps. Hein. Mais c'est un cheval qui a de la classe. On l'a vu l'hiver dernier courir au niveau quintet. C'est un très très bon cheval, oui. Et dans la génération des Yi, là, il y a Ayam Jack là, qui a figuré, qui est troisième d'ailleurs le courant de semaine dernière à Vincennes. Donc pareil dans toutes les générations, sauf l'année des G parce qu'il est allé courir à l'étranger. C'est un cheval qui avait gagné une batterie de l'UET et qui avait fini troisième de la finale à Solvalla, je pense, oui, c'est ça. Et il produit comme lui des chevaux très faciles, trotteurs et très vite sur jambes. C'est pour ça qu'il est allé l'année des G, il n'a pas fait la monte en France, il est allé courir à l'étranger. C'est un cheval très rapide. Et pareil, très bien dans sa tête, très fertile. Voilà, il a rempli toutes les juments l'année dernière. Donc, pareil, au tarif de 1 500 euros, négociable. Le beau Vaux-le-Vicomte avec des tissus superbes et un cheval Ouais, épais, très mais gentil cheval, très couverture d'un gentil cheval. colure, ouais, et puis en plus gentil cheval. Écoutez, il a beaucoup d'avantages. Et au prix abordable de 1 500 euros. 1 500 Merci euros. Denis. On vous retrouve Voilà. donc sur le stand à Radangville à visiter, bien sûr, et à chatter pour poser des questions, répondre et surtout vous informer pour faire le bon choix de l'étalon. Merci Denis, plein de bonnes choses. Bon salon. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.